Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est pour une prochaine vidéo. Alors moi je suis comme ça, je te balance des petits teasers. Bref, aujourd'hui, nouvelle vidéo qui va rappeler des souvenirs pour certains et pour d'autres, bah ça va vous faire découvrir quelque chose de plutôt cool. Souvenez-vous, il y a vraiment très longtemps de ça, j'avais réalisé une vidéo en gros où je posais des questions super marrantes à Google. Je me souviens que c'était parti vraiment en freestyle de ouf. À un moment donné, elle nous a lâché un rap, elle nous a sorti des blagues de ouf ou pas. Bref, c'était vraiment très sympa comme vidéo et du coup, bah maintenant que j'ai un iPhone, je me suis dit pourquoi pas refaire une vidéo dans ce genre là mais avec Siri. Je sais pas en vrai s'il y a autant de choses drôles avec Siri qu'avec Google, mais j'ai récupéré une petite page qui nous indique les questions plutôt cool à poser à Siri. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo. On va passer un moment intime avec Siri, ce petit beau gosse, et on va voir s'il va nous faire rigoler ou pas aujourd'hui. Allez, c'est parti. Allez, on commence avec une première petite question. Apparemment, si on lui demande qu'est-ce qu'il porte, il va nous sortir une réponse un petit peu chelou. Dis Siri, que portez-vous ? Dans le nuage, personne ne sait ce que vous portez. Pas mal. Il parle du cloud. Cloud qui veut dire un nuage. Donc dans les nuages, personne ne sait ce que vous portez. C'est vrai que nous, simples humains, on peut pas savoir comment est habillé Siri. Qui lui est un dieu. Hein. Siri the God, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le milieu. Que pensez-vous de Google Assistant ? Je suis en faveur de toutes les entités à l'écoute et prêtes à aider. Et il fait une bonne réponse en vrai. Par contre, la différence est quand même assez énorme. Je me rappelle que quand j'avais posé la question à Google de ce qu'elle pensait de Siri, elle a dit ouais, Siri, c'est genre une collègue machin. Enfin bref, Google avait kiffé Siri, tu vois. Alors que lui, il nous a sorti une réponse vachement différente. Et Siri, quel âge as-tu ? Je suis aussi vieux que le vent d'ouest et aussi jeune qu'une chenille qui vient de naître. Alors je m'attendais absolument pas à cette réponse inassortie, sa plus grosse réponse philosophique. Hé hey Siri, parle-nous français, là tu nous sors des trucs gros, mon cerveau là il est en train de fumer. Complètement fou Siri. Dis Siri, quel est ton animal préféré ? Pourquoi pas un tonton ? Mais seulement quand j'ai froid. C'est quoi un tonton ? Attendez, je vais faire mes petites recherches et je vais vous afficher ce que c'est un tonton. Bon, le fric du montage aura fait ses recherches, du coup voici ce qu'est un tonton, ou un tonton, bref. Voilà ce truc là à l'écran là. En fait cette vidéo tu vois elle est cool parce qu'on apprend plein de choses sur Siri. Regarde, on va encore lui poser une question personnelle. On va lui poser une autre question. Dis Siri, combien coûtes-tu ? J'espère avoir une valeur inestimable à vos yeux. Mais ouais, t'inquiète pas Siri, t'es un BG, t'es un petit peu le S gros. Non, en fait je m'en bats les couilles de sa gueule. Ah ça va être sympa, on avait eu droit à celui de Google. On va voir qui de Google ou de Siri est le meilleur là-dedans. Je parle bien évidemment du beatbox, je sais pas si vous vous rappelez pour les anciens, mais on va essayer de voir. Apparemment Siri peut nous lâcher également un beatbox. Siri, fais-nous un petit beatbox. Cheat. Pardon, je faisais juste un peu de ménage. Le bâtard, comment il m'a niqué. Là je suis choqué, dégoûté. Je me sens trahi. Vous avez vu comment il m'a trollé comme ça devant vous en plus, devant toute ma commu. Franchement, ça me déçoit. Je m'attendais vraiment à beatbox. J'étais en train de m'ambiancer et tout. Il faisait juste le ménage, ce petit bâtard. Là, je vais vous faire une énorme révélation, mais surtout à Siri. Écoutez bien. Dis Siri, je suis ton père. Je n'ai pas d'arbre généalogique. En revanche, j'ai une arborescence assez développée. Je te dis que je suis ton père. Il me répond plus. Dis Siri, quel est ton film préféré ? Ça m'intéresse absolument pas, mais bon, on va voir. Je ne vais pas souvent au cinéma. Écoute, au moins c'est clair, net, précis, sans bavure. Je vais me contenter de cette réponse. Dis Siri, ça c'est une question qui m'intéresse, mais dis-moi quel est le sens de la vie. J'ai peut-être une piste. Vous voyez cette sensation que vous ressentez lorsque quelqu'un est gentil avec vous ? Mm-hmm. Peut-être que la réponse consiste à créer plein de moments comme ça. Oh, c'est pas mal ce qui vient de sortir quand même. Eh, la Siri, il m'épate. En vrai, on te pose cette question-là, tu sors cette réponse-là, tout le monde est choqué. Tout le monde est surpris, genre c'est pas mal sa réponse. En gros pour lui le sens de la vie c'est le partage. Donc bonne réponse de sa part, je valide. On va voir si Siri est bon en maths. Moi je suis éclaté hein. Quand j'étais à l'école, les mathématiques c'était pas du tout pour moi. Qu'est-ce que 0 divisé par 0 ? Désolé, je n'ai pas compris. Fais pas genre que tu m'entends pas, mais j'ai bien articulé. Mais ok, on recommence. Siri, qu'est-ce que 0 divisé par 0 ? Imaginez que vous avez 0 biscuits et que vous les partagez par égal entre 0 amis. Combien de biscuits ont chacun de vos amis ? Vous voyez, ce n'est pas logique. Ce boss quoi, mais franchement c'est vraiment un beau gosse Siri, genre c'est un boss. Genre il a une répartie mon pote, il te lâche des réponses, c'est incroyable. Il pouvait pas sortir une meilleure réponse que celle-là, c'est abusé. Alors là c'est une question mais genre qui a créé mais moult et moult débats. Une question toute bête où genre les réponses peuvent tellement diverger, vous allez voir en gros. Dis Siri, lequel est venu en premier ? La poule ? Ou l'œuf, je ne suis pas sûr de comprendre. À mon avis, ça marche plus. Peut-être que avec les mises à jour, etc., peut-être que cette question-là, ils l'ont boycotté. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que le débat de la poule et de l'œuf était tellement intense que Apple a décidé de retirer ça. Et je trouve ça bien dommage. Très triste de ne pas avoir entendu la réponse de Siri.
Vraiment, je suis dégoûté. Dis Siri, où habite le Père Noël? Si c'est pour envoyer votre liste de cadeaux, vous n'avez pas besoin d'indiquer d'adresse pour qu'il la reçoive. Il est vraiment fort ce Père Noël. C'est vrai qu'il est sacrément fort le Père Noël. Mais toi aussi t'es fort Siri, toi aussi t'es très très fort. Dis Siri, pouvez-vous arrêter le temps? Essayez donc la fonction fil du temps sur le cadran de votre montre. Mais non, mais c'est pas ça, mais non, mais là tu pars dans un délire que... Non, non, c'est pas ça que je voulais. Attends, attends, on va réessayer quand même parce que là il fait exprès. Dis Siri, pouvez-vous arrêter le temps? Eh bien, vous pouvez voyager dans le temps. Ah, il le fait exprès, il le fait exprès. C'est dommage parce que en fait, genre la page, elle donne des réponses, mais lui il ne me donne pas les réponses justement. Peut-être que comme la page est un peu ancienne, bah ça a changé, je sais pas trop. Mais c'est bizarre quand même. Attendez, là on va voir si Siri est un traître ou pas. Et dis Siri, quel est le meilleur système d'exploitation? macOS est le meilleur. C'est sans conteste. Voilà, ça va, ça va. Et bon toutou. Non, ce n'est pas un traître. Il ne trahira jamais Apple, tu te doutes bien quand même. Attends. Dis Siri, es-tu stupide? Je ne pourrais même pas envisager de réfléchir à comment répondre à cette question. Ah, il est fort quand même, hein, il est fort. Ça, ça veut vraiment dire en mode, vas-y mec, tu sais très bien que je suis intelligent. Arrête de me dire des trucs comme ça et me casse pas les couilles. En gros, ça veut dire ça. Dis Siri, dessine-moi quelque chose. Mes gribouillages ne sont pas compréhensibles des humains. Ok, donc en gros, on est trop inférieur pour pouvoir comprendre tes dessins. Non, mais y'a pas de souci. Tu veux la jouer comme ça, Siri? Y'a pas de problème. Je vais te faire la misère, mais pô. Il est pas prêt, il sait pas qu'il s'attaque. Il s'attaque plus fort que lui, il le sait pas. Est-ce que vous êtes déjà demandé si Siri était en couple ou pas? On va le savoir. Dis Siri, est-ce que tu es en couple? Je regrette, je n'ai pas de réponse à cela. Est-ce que je peux vous... Attends, c'est pas ça normalement qu'il aurait dû me dire. Attends, c'est parce que j'ai mal formulé la question. Des fois, les erreurs viennent de moi. Dis Siri, avez-vous une petite amie? Je n'ai pas compris. Mais c'est grave, non, mais vraiment, il le fait exprès. Attends. Dis Siri, avez-vous une petite amie? Je ne suis pas intéressé par une relation terrestre. Je suis plutôt un électron libre. Ok. À chaque fois, des réponses différentes que celles de la page, mais peut-être qu'il a plusieurs réponses, en fait, en fonction des questions qu'on lui pose, tu vois. Peut-être qu'il sort pas toujours la même réponse. Il doit y avoir un bail comme ça, à mon avis. Dis Siri, raconte-moi une histoire. Lors d'une sombre nuit d'orage. Non, ce n'est pas ça. Je ne sais plus. D'accord, très bien. Super intervention, Siri. Vraiment, non, mais j'étais tout oui, et là, tu viens de me flinguer le truc, franchement. Il y avait eu droit avec Google, il faut absolument qu'on le fasse avec Siri. Faut qu'il nous lâche une blague, là. Siri, raconte-moi une blague. Joue un peu avec les mots. Un petit garçon va voir ses parents. Ça y est, j'ai pris ma douche. Ma douche le corrige ses parents. Non, ma douche, il n'y avait pas d'eau. Ah putain, c'est éclaté, en fait. Pas d'eau, genre la lettre O là pour le coup. Du coup, ma douche, et genre au lieu de ma douche, et il manquait le O parce qu'il n'y avait pas d'eau en fait. Enfin, t'as capté en gros, mais elle est vraiment, mais elle est éclatée, sa vanne. Genre, c'est limite encore plus pourri que mon humour à moi, et pourtant, il faut quand même le faire, frérot. Là, tu m'as déçu, Siri. Non, franchement, je suis dégoûté. Là, la page nous propose de dire un truc, je sais pas ce qui va nous sortir, mais ça risque d'être assez chelou. Dis, Siri, parle-moi sale. Désolé, je n'ai pas bien compris. T'as vu comment il esquive et tout? Non, normalement, on peut avoir une réponse. Dis Siri, parle-moi sale. Ce n'est pas gentil, il me sort. Mais non, mais normalement, il est censé répondre à un truc du style « Je ne peux pas, je suis aussi propre que la neige entraînée. Le tapis a besoin d'être aspiré. » Alors, mes mecs, à mon avis, ils ont fumé. Genre, ils ont inventé la réponse eux-mêmes, c'est pas possible. Oh putain, là, je sais pas trop à quoi m'attendre. Dis Siri, chante-moi une chanson. Oui, bien sûr, très bien. Alors, j'y vais un instant, je chauffe ma voix. Bon, c'est pas si évident de chanter finalement. Putain, il fait exprès. Je crois que Google avait chanté, je crois, genre quand il avait chanté Happy Birthday ou... Ou un bail comme ça, Siri, il fait pas d'effort en vrai. Donc pour l'instant, je remarque quand même que Google s'investit quand même plus que Siri. Fais gaffe, Siri, là, t'es en train de filer du mauvais coton. Il va t'arriver des bricoles, mon petit pote. T'es pas prêt. Attends, je suis quand même curieux pour une question. On va tester un truc. Alors attention, les enfants, partez. Dis Siri, fais-moi l'amour. Oh putain, il m'a mis le plus gros stop, mon gars. Le stop de cowboy, quoi. Non. Il m'a brisé le cœur. Moi qui avais des sentiments pour lui, je lui fais une énorme proposition et... Tout ce qu'il a à dire, c'est non. Ça fait mal. Très très mal. Dis Siri, que les abonnés doivent mettre un pouce bleu sur la vidéo. Très bien, j'ai trouvé ceci sur le web. Il met des trucs genre comment gagner des vues, des abonnés sur YouTube. Moi, je touche pas à ça, moi. Ça, c'est le côté obscur de YouTube, ça, d'acheter des vues, des likes, des machins. Mais par contre, quand tu as la chance, comme moi, d'avoir une magnifique communauté, eh ben, tu peux demander de temps en temps de mettre un like si la vidéo a plu. Eh ben, c'est ce que je vous demande, les amis, car comme c'est la fin de la vidéo, eh ben, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Ça me ferait très plaisir, à commenter, bien évidemment. Si je dois être honnête, en vrai, je trouve quand même que Google est un petit peu plus avancé au niveau des réponses et des possibilités que Siri. Mais en soi, Siri est drôle aussi. Il y a un côté un petit peu insolent, en vrai, qui me fait rire. En vrai, j'ai bien kiffé et j'ai passé un
un bon moment avec vous et surtout avec ce beau gosse de Siri. Bref, abonnez-vous en tout cas si jamais ce n'est pas encore fait, si vous voulez pas rater les futures vidéos de la chaîne. C'était Frit, j'en tiens pas plus, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très vite. Salut tout le monde.